aujourd'hui nous sommes dans le Bintal, au fin fond du Valais. Et avec mes deux acolytes, nous allons à l'Oberrappelhorn, par là-bas au fond. Enfin, par là-bas au fond à gauche. Nous devrions bientôt chausser. Trace de loup ou pas trace de loup, nous ne savons pas. Il y a une appli qui reconnaît ? On a déclenché une petite plaque à distance, ça fait un peu peur. Nous arrivons au premier sommet, dont je ne sais plus le nom, il y a une petite croix. On va voir si la suite passe. Et voilà, et voilà, El Summitus. Bravo! Voilà, on vient de descendre du petit col qui est au-dessus là, et on va repoter ici. Et voilà, et on attaque le vallon. Ça va, Bastien ? Ça va, j'ai sommeil. Pas rouler la nuit. Où est notre champion? Il est là-haut. Et ça trace. Un petit Red Bull, Bastien. Ah Benjamin ? Ouais, bien. La patate ! Un peu fatigué, ça botte, 10 kilos à chaque lettre. C'est la vie. Ouais. Bon, logiquement, on aurait dû aller là-bas. Mais là, c'est très bien. Hein, c'est très bien, Benjamin ? C'est très bien. On se rencontrera, ouais.
Je pense là-bas ça passe pas. Et voilà Magic Bastien, le botteur de l'extrême. Comment il va Bastien? Ouais, ça va, mais c'est dur. C'est la petite patate ou la grosse patate? Moyenne patate. La moyenne patate. Ben voilà une petite vue du sommet avec les monts Roses, la vallée du Valais. Et de l'autre côté, l'Oberland avec le Pitchhorn au fond, la Letch, le Gros Vanhorn et le Finsterhorn. Et là, le plus beau qui fait des photos, c'est qui? Sébastien. Eh bien, nous sommes partis pour la descente dans un superbe décor. Il est 4h d'après-midi et on doit rejoindre la Binta Lutte. Il y a de la distance et il y a du dénivelé. Moins de vent, mais on est dans le fun depuis 1h30. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before.